Bonjour tout le monde! Eh oui, j'ai décidé de me prendre SnowRunner. Ça fait. C'est une découverte pour moi. J'ai vu déjà quand même quelques vidéos. Il y a un pote aussi qui me l'a conseillé. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? Un petit jeu de détente en attendant un jeu qui sortira dans moins de 2 jours. Enfin, dans un jour en fait. La vidéo sortira. Et ouais, c'est un petit jeu de détente vraiment tranquille à la cool. J'avais pris d'ailleurs le jeu avec le premier et deuxième anniversaire, voilà, le pass deuxième anniversaire ou je ne sais quoi, enfin bref. Donc là, c'est la toute première fois que je teste, hein. Donc là, je découvre totalement une nouvelle partie plus, c'est quoi? On va faire une nouvelle campagne, je sais pas si c'est une campagne qu'il faut que je dois faire. Alors en mode difficile, non, scénario personnalisé, on va faire une nouvelle campagne, emplacement 1. Je sais pas si c'est le mode que je dois faire ou nouvelle partie plus où on est un petit peu plus libre. Enfin bon bref, de toute manière, je découvre le jeu. Je vais voir. Alors, nous vous remercions de participer à nos efforts de maintenance et de récupération après cette inondation catastrophique. On va avoir besoin de toute l'aide possible pour réparer le pont, excuse-moi, qui s'est effondré. C'est notre seul point d'accès vers l'autre côté de la rivière. D'abord, vous allez devoir trouver une tour de guet pour avoir une vue d'ensemble de votre environnement. Ensuite, vous allez devoir trouver un camion capable de transporter les matériaux nécessaires pour réparer le pont. Après avoir réparé le pont, vous allez pouvoir atteindre votre premier garage. Ok. Alors là, nous avons quoi comme véhicule? Lâcher le frein à main, démarrer, avancer. Est-ce qu'on peut. Oui, on peut tourner comme ça. D'explorer votre environnement. Nous avons bien une Chevrolet avec John au volant. John qui a juste pas la moustache, il a un gros bac apparemment. Est-ce que je peux, ouais, je peux rapprocher la caméra comme ça? En tout cas, elle est quand même jolie, il est bien fait. C'est sympa. Donc, la première chose à faire, oui, j'ai ça, oui. Alors, déjà, c'est ça et ça. J'ai lâché le frein à main. C'est quoi ce truc vert là? Ah, ok, je sais pas ce que c'est. Ah, ok, t'es mis. Oula, ça glisse là. Ça glisse déjà comme ça? Tu rigoles ou quoi? Bon d'accord, mais c'est pas boueux là. Quand vous conduisez sur les terrains difficiles, vous pouvez passer en vitesse basse. Ça vous ralentira, mais diminuera le risque de rester coincé. Maintenez Shift et bougez ça. Ah, ok. Ah, avec. D'accord, ouais, non, non, mais on va rester comme ça pour le moment. Quoique. Ah, ouais, ah non, là, c'est vraiment la boue. Votre camion est muni d'une transmission intégrale. Ah, là, je suis coincé par contre. Oh mon dieu. Bon, ça la marche arrière. C'est vrai que c'est une 4 roues matrice, j'ai pas l'impression, et 2 roues de devant. Elle était pas bien, c'est déjà coincé. C'est pas vrai. En fait, j'aurais peut-être pas dû m'arrêter là déjà. Ouais, c'est bon, ça passe quand même. J'ai failli rester coincé déjà ici là. Ah ouais, mais c'est une vraie galère là. Ah ouais, quand même. Bon, si je passe par l'air, bah normalement ça passe mieux, hein. En vrai. Ça, quand même, je pensais que ce serait un peu plus réaliste que ça. Honnêtement, j'ai pas fait du gros 4x4 là dans les terrains boueux, mais là, quand même, là ça passe. Faut arrêter de déconner. En réalité, le cul il chasse pas comme ça, quoi. Après, c'est vrai que là j'étais enfoncé, donc là y a rien à dire. Ça, j'ai pas fait ce type de terrain, mais une route comme ça, j'ai déjà fait. Alors là, on arrive sur la route, peut-être va galérer quand même. Ah, oui, par contre. J'avais vu que ça normalement. Parce que moi je suis là. Et normalement. Ah, ça me met le point. J'allais voir là-haut, ok. Même là il chasse, hein.
ça va. Je sais pas, c'est là ou pas? Il n'y avait pas un truc. J'avais vu, il y avait un truc de mission. Comment est-ce qu'on fait? C'est quoi les missions? Paramètres, juste voir une chose avec les contrôles, contrôle des touches, frein, blablabla. Pédale d'embrayage, est-ce qu'il... Non, j'ai rien d'autre. Klaxon, voilà. Ça, c'était pour définition des touches. Ok, phare, L. Bloc, frein à main. Libérer le treuil. Treuil rapide, F. Bon, je suis pas encore là. Vitesse, action, donne personnalisée. Ok. Je sais même plus ce que je cherchais comme touche. Ah oui, pour les missions. Je sais pas, on verra. La route est fermée par là. Vous rencontrez différents types de terrains comme de la route de la terre, de la boue épaisse, de l'eau, des éboulis rocheux, de la neige et de la glace. Seuls les conducteurs les plus expérimentés à bord de véhicules bien équipés savent bien conduire sur ce type de terrain. Donc, pas moi. En cas de doute, il n'y a pas de honte à éviter le danger. Vous pouvez en savoir plus sur les différents types de terrains dans l'encyclopédie disponible dans le module d'escape. On verra peut-être ça un peu plus tard. Voilà. Tourne! Avance principale. Ouh, ça sent la galère. Et normalement, moi je suis sûr que si je passe par là, ça devrait mieux aller. Hein. Je suis désolé, quoi, mais là, faut arrêter de déconner. Pourquoi je peux pas y aller là? Ah ouais, ça accroche mieux. Le plein ici ou près de n'importe quel véhicule qui peut potentiellement transporter du carburant, faire le plein est gratuit. Comme les réparations, essayez de faire le plein aussi souvent que possible. Ok, j'ai pas de 6 litres. Déjà? Ok. C'est station-service. F, 6 litres. Voilà, merci. Attends, moi faut que j'aille où là? Ah, faut que j'aille. Ah, bah y a la route qui va directement. C'est parfait? Là par exemple, là, si je passe par l'herbe, ça va mieux ou pas? Ça va, ça passe. Allez, là c'est comme sur la neige, faut pas s'arrêter, hein, faut avancer, on y va quoi. Là, vous allez me dire si je galère déjà ici, qu'est-ce que ça va être plus tard? remarquez cette tour de guet devant vous. Vous servent à détecter les zones d'objectifs avec lesquelles vous pouvez interagir. Okay. Oh, vous avez découvert votre premier tour de guet. Découvrir des tours de guet vous dévoilera les parties de la carte. Pour réparer le pont, vous aurez besoin d'un véhicule plus grand pour transporter les matériaux. Ouvrez mon rien, ok. Ouvrez votre carte pour voir ce qui vous entoure. Objectif, trouver un camion capable de transporter des matériaux nécessaires pour réparer le pont. Découvrir des tours de guet, vous dévoilerez une partie de la carte, parce qu'il y en a plusieurs, donc... Ah ouais, il y en a là. Ah ouais, okay, d'accord. Il y en a un qui est juste en dessus aussi, il va falloir... Ah, il y a, okay, il y a des remorques, là. Semi-remorque plateau. Ça, je sais pas. Entrepôt, là-bas. Ça, c'est quoi? Amélioration, ça doit être dessus, en fait. Scierie, camion. Il y a un camion qui est là. Ou c'est mon camion? Enfin, mon camion, c'est le mien, je pense. Il y a Siri là, il y a une remorque là. Tu voulais que je découvre un camion, d'accord, mais où? Ah! Là, il y a un camion. C'est le point ou pas? Ah, là-bas, camion. Ah oui, non, d'accord, ok, non, je me suis. Ok, d'accord. Okay. Donc, on va descendre. Récupérer ce camion apparemment.
là, je devrais pas avoir de problème pour descendre. Allez, vas-y à fond, accélère. Allez, John, vas-y, tu peux le faire. Prendre l'élan, là, ça va passer. Ah bah non. Aïe. Vous pouvez essayer d'utiliser votre œil, d'accrocher à quelque chose à proximité, activer les fonctions UV. Ah, ça peut-être. Ah ouais. Appuyez sur F pour tirer votre treuil. Ah ouais, ok. C'est ce que je fais. Ah, pourquoi je peux pas? Fermez fonction. J'appuie sur F, ça fait rien du tout. Ah mais alors attends. Ah. Ah bah voilà, comme ça oui. Ne te retourne pas hein. Faites votre premier tiré par un treuil. Faites vous tirer par un treuil, faites votre premier tiré, mais. Je pète les plombs quoi. Eh mais un 4x4 ça remonte pas ça? Je sens que c'est un 4x4 ça, c'est pas un... J'ai l'impression que c'est une propulsion. Et tu m'étonnes qu'avec une propulsion sur ce type de terrain, c'est même pas la peine, quoi. Mon camion il est par là-bas, donc faut que je descende par là. En face c'est la Syrie, je pense. C'est une véritable galère ce machin. Sans déconner. Et j'espère que le camion ça ira mieux, hein, mais j'ai pas l'impression. En vrai, je suis désolé, mais là. Voilà, là ça va mieux. Allez, vas-y, va récupérer ton camion. Ne pas passer. J'y vais quand même, il y a mon camion là-haut. On va voir ce que ça va donner. Pas hein. Pourquoi je peux pas? Alors moi il y a un truc que je comprends pas. J'appuie sur F là, ça veut pas. J'ai pas tout compris cette histoire. Dingue ça. Ah ça je peux. Et là il veut pas non plus hein. Ouais, je pète des plombs. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. On va faire 100. Fermer fonction. Mais c'est pourquoi il prend. C'est quoi ces fonctions? Mais quelle fonction tu me parles? Ah. Ah, c'est à cause de ça. Peut-être que ça marchait pas. Alors, on va réessayer. V. Ah bah oui. Ah bah oui, ça fonctionne pas. Hein. En fait, il faudrait juste que j'aille par là. Oui, mais c'est pas possible. T'as même le panneau, il m'emmerde.
Qu'est-ce que c'est que ce 4x4 sans déconner? J'ai pas le choix. Hein. Ou alors... On va tout ça faire comme ça. Si j'enlève le frein à main, c'est peut-être mieux, non? Et non, mais sans déconner. Allez, vas-y. Tu m'emmerdes avec ton 4x4. Hein. Ça va mieux en marche arrière qu'en marche avant. Non, elle n'y arrive pas non plus. On peut pas couper arbre. non, mais là, il y a un problème. C'est pas possible! Alors je sais qu'il y a aussi des modifications à faire, on peut faire quelques petites modifications. Alors je vais juste essayer quand même quelque chose, si je fais ça. Là il recule, on est d'accord. Donc ça sert à rien. Admettons que je fasse ça. En fait ça m'aide à rien du tout. Hein. Pourquoi on voit pas de chevrolet dans les parties enfin en vrai quoi, c'est pas les chevrolet hein, on connaît plutôt les Range Rover tout ça quoi hein, chevrolet, même Toyota le chevrolet on les voit pas beaucoup. Tu m'étonnes. Je vais péter un plomb. Il peut même pas monter une toute petite pente. Et sans déconner, il faut que le camion, ça, il arrive à faire quelque chose là. Ça commence à m'inquiéter. Ok, j'ai réussi, incroyable. Alors, ce camion est conçu pour la route. D'accord, il n'a pas les capacités hors piste incluses. Essayez de ne pas aller dans les marécages ou dans la boue épaisse. Vous pouvez en avoir plus sur les différents types de... Ok, ouais. Alors, pour entrer dans un autre camion, ouvrez votre fonction V en appuyant sur V. En fonction, en appuyant sur V et j'en... Ok. Ça, et puis, je peux changer quelque chose, hein? Changer de camion. Bon, ce n'est pas le meilleur camion pour le travail, mais on va faire avec. L'entreprise Steel Waver Township vous attend pour réparer le pont. Vous pouvez trouver des contrats comme celui-ci dans le menu de la carte. Ok, M à machin pour ouvrir la carte, d'accord. Maintenant, j'ai mon truc, là, il n'y a pas de problème. Le GMC, alors je sais pas, là, l'autre machin, le Chevrolet, j'en veux plus. Du coup, carte globale. Ok, péninsule de Kola. C'est bien. Consultez d'abord l'onglet contrat. Les contrats sont des objectifs importants qui demandent de la préparation du temps pour leurs accomplissements et pour lesquels il faut souvent aller repérer la zone en amont. C'est là.
Certains contrats sont verrouillés, mais vous pouvez lire les détails et découvrir comment les déverrouiller. Examinons le contrat en fonction du vieux pont. Ok. Le vieux pont là-bas. J'en viens, je crois d'ailleurs ici. Je crois. Ah, tiens, un autre truc là-bas à voir. Pour terminer ce contrat, vous devez accomplir deux objectifs. Ils doivent être effectués dans l'ordre. Acceptons le contrat avec espace. Je dois trouver, livrer, vieux pont, poutre en métal. Là-bas. Alors, allons prendre ça. Activer. On est prêt à réparer le pont. Ce camion a de la place pour une cargaison. Chaque camion a une capacité de transport différente. Mesurer en emplacement. Ce camion est capable de transporter deux emplacements de cargaison. Trouvez les matériaux qu'il vous faut pour réparer le pont, les livrer ensuite. Ok. Donc moi j'ai dit que je vais aller là-bas. Tu me l'as noté ou pas? Ah, le clic droit. Non. Comment est-ce que je fais? Voilà. J'ai une route ou pas? Ah ouais, donc il faut que je m'enfile dans le bourbier là-bas puis que je monte tout ça. Avec un camion donc, il me disait que c'était pas fait pour rouler dans la boue. Ben, on va y aller, hein, on n'a pas le choix. À moins que je puisse passer par là. Attends voir. Ah ouais, je peux passer par là. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait. Oula, 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 calme-toi, calme-toi. Bah, ça va mieux que la Chevrolet, hein. Oh là là, ça va bien mieux que la Chevrolet. Faut juste pas que je m'arrête, c'est tout. Ah ouais, ça y va, ce machin. Yeah, là, je me sens mais au calme, là, yeah. À gauche, on est là. Là j'essaie de tirer le frein à main pour voir. Là on se croirait sur GTA hein, quand même. Sur la partie du nord là. Ah et par contre c'est un peu bizarre parce que. Ah elle est pas mal, elle est sûrement mieux que la Chevrolet. Là. Par contre il n'y a pas trop de vie. Par là-bas, vous pouvez atteler des remorques, hein. Trouver dans la nature et les utiliser à votre guise. Atteler une remorque, ça fait que tu peux plus voler au. Plusieurs facteurs peuvent vous empêcher d'atteler une remorque, notamment la distance, l'angle d'approche ou équipement disponible. Pour atteler une remorque, vous devez vous approcher avec l'arrière de votre camion. Vous pouvez être suffisamment prêt à activer votre machin. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire moi. Apparemment c'est là-bas ma mission. Ok, il y a plusieurs façons de charger. Une cargaison choisie. Le chargement automatique est le plus simple et le plus rapide. Il n'y a pas besoin d'utiliser une grue. Tant mieux. Donc poutre, c'est bon. C'est tout rempli. Charger. Ok. Maintenant. Je dois livrer ça là-bas. Et il y a des dégâts, hein. Il y a des dégâts. En fait, il faudrait être tranquille parce que j'ai pas l'habitude. Normalement, le volant, il a, enfin, les roues se retournent plus rapidement que ça. Là, si je lâche maintenant, là, ça va encore. Allez, 550 mètres sur route, ça va le faire. Donc le pont, j'ai réparé un pont, d'accord. C'est pour, apparemment, c'est pour aller dans une zone. C'est quoi ce pont? On reste sûrement la cargaison. Ouais, bon, ça va, j'ai assis là. Ah merde. Je sais quoi, j'y vais? Allez, vas-y, on y va. C'est pas, on est passé par la boue, donc
rien à foutre de... Allez hop. C'est pour les petits puceux ça. Je crois que je me suis moins galéré que la route qui était sur le côté. C'est pas par là. Non, c'est affreux. J'arrive pas à aller droit. Mais il est bien fait quand même ce jeu. Alors moi je sais pas, j'ai pas augmenté les graphismes ou quoi, j'ai mis de base. J'ai envie de voir une chose, est-ce que je peux modifier ça? Écran, oui. Distance d'affichage terrain. On va essayer quand même parce qu'il me semble que j'ai un PC qui me permet. Hein, qui me permet quand même de faire certaines choses. Hein. On va pas mettre. On changer, voulez-vous. Quoi, ça a changé là? Sérieux? Une petite différence, je sais pas. Bon, ça va, là pour le moment c'est bloqué à 60 FPS, donc ça va. Ah yes! Ça c'est bien! Le pont progresse, mais ce n'est pas encore fini. Pour le terminer, livrer une autre partie de la cargaison sur le site de construction. La cargaison dont vous avez besoin se trouve à l'usine à bois local. Consultez la carte pour trouver son emplacement et les trajets possibles. Là-bas, ok. Juste pour voir, du coup, je prends la première à droite. Le chemin de terre. Parfait. Avec des doubles pneus en plus à l'arrière. Normalement, là je suis en train de passer le permis. Alors pas permis camion, le permis pour car. 3 essieux avec les camions, c'est combien de tonnes déjà? Je crois que c'est dans les 18 tonnes pour 2 essieux, ça va être dans les 20. Je sais plus, plus de 20 tonnes en tout cas. Marrant ça, ça va, j'ai un peu oublié. Hein. Plus de 20 tonnes, c'est sûr. Oh mon dieu, mais c'est ouais. Difficile à gérer là, les roues hein, pour la direction. Mais franchement, il avance tranquille le camion là. Il est pas fait pour aller sur les terrains en dehors de la route, ça donc, hein. C'est surtout le Chevrolet là qui est pas fait pour y aller. Sur ce type de terrain. Là, il va tranquillement. Ah ça me fait plaisir. Hein. On arrive chez quelqu'un là. Tiens, il est déjà là. Parfait ça. Ah, planche de bois, l'usine de bois est le meilleur endroit pour récupérer des planches dont vous avez besoin. C'est le moment de s'y mettre. Je sais pas, c'est le chargement là-bas peut-être qu'il faut que je fasse. Là-bas c'est quoi? Ah non mais c'est bien trop chaud ça. Ah mais c'est une remorque là-bas. Par contre, là, il va être un peu plus lourd. Hein. Ah ouais, ça se sent un petit peu. Alors, c'est peut-être le démarrage, je sais pas. Ah ouais, c'est une remorque. On la sent. Je pourrais essayer quand même d'y aller. Ah, mais peut-être que j'aurais pu le faire en une seule fois, en fait. Bon, c'est pas grave, parce que c'est pas bien loin. Parce que j'aurais pu y aller avec les métaux avant, puis revenir chercher la remorque. Je sais pas si j'aurais galéré. Avec une remorque, bon, de toute façon un petit peu plus. Hein. Là, c'est tellement faisable, là, c'est facile, c'est easy là. Par contre, ça me met une petite marque quand je rentre dans la flotte. Hein. Niveau de. Je sais pas quoi.
Ah, peut-être que ça cousille le moteur parce que le moteur est touché justement par la flotte. Et ça mène le message que le niveau de flotte en fait touche le moteur, quelque chose comme ça, je suppose. Ah, c'est juste excellent là. Faut juste tourner un petit peu quand même. Ah, je kiffe. Ah, attention, 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 attention. Ah, même si je m'arrête, hein, je galère pas trop quoi. Ah, il avance tranquillement. Parfait, on arrive sur la route. Par contre, je me demande quand même si je devrais pas m'acheter une manette pour ce type de jeu. Par contre, les plaquettes, là, va falloir les changer, je crois. Voilà, je crois que c'est tout bon du coup. Vous avez été promu. Ok, lorsque vous avez assez d'expérience, vous obtenez un nouveau rang de chauffeur. Chaque rang vous offre des nouvelles options, de nouvelles options en matière d'achat de véhicules et de pièces supplémentaires. Certains objectifs demandent également un certain rang de chauffeur avant de les déverrouiller. Appuyez sur F4 pour accéder à votre profil de chauffeur. Réfection du vieux pont, n'est-ce pas magnifique? Ouais, tu m'étonnes. Par contre, ça m'a pas l'air d'être du bois, ça, hein, c'est juste pour dire. C'est aussi beau qu'avant. Maintenant, vous pouvez quitter la péninsule et atteindre le garage. Commencez à chercher votre prochain contrat. Chaque contrat terminé vous fait gagner de l'argent et des points d'expérience. À chaque tour de guide découverte vous récompensera avec de l'expérience. L'expérience vous permet de déverrouiller de nouveaux rangs de chauffeurs nécessaires pour déverrouiller de nouveaux véhicules d'amélioration. Vous pouvez suivre votre progression depuis le menu F4, depuis le menu profil. Vous avez réparé le pont et terminé votre premier contrat. Maintenant la ville est de nouveau connectée au reste de la région. Il est temps de trouver le garage qui est maintenant marqué sur la carte. D'abord, je vais juste voir F4. Moi, je suis dans le Michigan. Ceci est votre profil de chauffeur. Ici, vous pouvez apprendre beaucoup d'informations utiles sur votre progression. Faites pas gaffe hein, à ma tronche. C'est pas la mienne, hein, je vous rassure. Hein. D'accord, mais je peux... Véhicules trouvés 2 sur 8. On peut découvrir, on peut trouver des véhicules aussi, pas besoin d'en acheter peut-être. Mission complétée 3 sur 89, véhicule possédé 6, paiement reçu 3000. Distance parcourue 3952, déjà 4 km, ouais, c'est possible. Hein. Session jouée 0, blablabla, ok, Alaska, machin, Michigan, contrat. Donc ici on a tous les contrats disponibles apparemment dans la zone, d'accord. Pour le moment, je dois juste voir, le garage apparaît maintenant sur votre carte, la route qui vous attend ne va pas être facile. Vous pouvez passer à un véhicule différent pour posséder, que vous possédez dans l'onglet machin, ok. Quitter les routes à partir, d'accord, mais il est où? Ah, il est là-bas mon garage. J'ai pas d'autre véhicule mieux que le camion, donc... On va voir, hein. Ah, WD non installé, d'accord. En fait, j'ai pas de WD. Je suppose que c'est par là qu'il faut que j'aille. On va voir si c'est pas facile. En tout cas, au pire, je pourrais ajouter ça. J'ai remarqué que je pouvais appuyer sur F aussi. Oula. Je pense que c'est à droite. Grave, on arrache les arbustes aux États-Unis, on s'en fout. Allez hop, on y va avec de l'élan. Ah ouais, tu m'étonnes que ça va pas être simple. Alors.
Oui, ça je sais, mais je peux pas, j'ai pas de AWD, t'es bien gentil. Heureusement que t'as des arbres, hein. Allez, ça va le faire. Et ça va quand même beaucoup mieux que... Passer par là, c'est bien. Le Chevrolet, hein. Ah alors, il m'en a mis de toutes les couleurs, ces Chevrolet là. Non. Ah, j'ai cru que ça allait planter là. Ça, on consomme, on pollue bien là, là c'est bon, ça j'adore. C'est ça la nature, faut y aller pour la polluer. Oula. Ah mais c'est une tour de guet ça, c'est pas le. C'est pas ma base. Qu'est-ce que je fous là moi? Pas ma base. On va aller juste là, si je peux. Arrêter là-dessus. Mais elle est où ma base? Ah mais c'est là-bas, ça n'a rien à voir. Bon c'est pas grave, maintenant qu'on y est ici. Ah ouais, là je suis foutu là. Allez, on y croit. C'est bon. J'ai réussi. J'ai clairement pas le camion pour là, hein. Franchement. Ok, bon. Donc là, je suis totalement embourbé, hein. Ça, c'est certain. Là. On va faire le détour. Et puis, on va aller au garage, là où je suis censé aller. Par contre, ça va être galère. Hein. Ça va être trop galère. Comment est-ce que je vais faire ça? J'ai comme l'impression que je vais être foutu, que je suis foutu. J'aurais jamais dû passer par là. Ouais, je suis dans la misère là. On va voir si on peut faire quelque chose. Mais... j'avance un petit peu. Ça sert à rien. Toi, il est attaché à quoi? Ah, ça. Ah non, mais ça, on s'en fout. Qu'est-ce que je fais? Bah là en fait je suis en train de m'enfoncer, c'est tout ce que je fais quoi. Parce que donc là je suis trop loin je pense. Y a rien là. Est-ce que je... Quoique, est-ce que je pourrais...
D'accord. Par contre, là, il y a quelque chose qui me bloque. Normalement, est-ce que j'aurais quelque chose? Ah, ça pourrait peut-être me sauver, voilà, clairement. Voilà, faut que j'aille au treuil, hein, j'ai pas le choix. Le plus loin possible, hein, histoire que je puisse me faire tirer par un arbre. Galère là. Peut-être qu'on la nettoie, on peut nettoyer le camion comme ça. Ok, je pensais pas que ça serait une aussi grosse galère. Hein. Alors attends, on va réfléchir. Là, il faudrait juste que le cul se dirige dans cette direction. Je me suis mis dans une galère. Ah, on le sent le noob là ou pas? Bon, je pense que je vais m'arrêter ici en attendant et je vais me tirer de cette galère. Parce que moi je suis où là? Je suis ici. Je suis ici. Il va falloir que j'aille là-haut. En fait, j'aurais tout simplement pu suivre en fait cette route, hein, tout simplement. Je sais pas pourquoi je sais pas ce que j'ai foutu là. Je vais voir tout ça. Je vais voir tout ça. Je vais bien trouver une solution. J'ai un peu galéré, mais bon, bref. Donc voilà ma première partie, une vraie galère déjà, mais j'ai au moins réussi à faire la première mission. Il va juste falloir un petit peu de temps pour prendre le jeu en main, puis de voir un petit peu comment ça se passe, qu'il faut absolument éviter. Sûrement soit changer de camion, acheter un nouveau camion, en trouver un autre, ou acheter justement la possibilité, parce que là c'est bien noté, que je n'ai pas l'installation justement de la WD, donc il va falloir que j'achète tout ça pour que je puisse. Mais en tout cas j'ai remarqué que les 4 pneus à l'arrière, enfin les 8 à l'arrière, patinaient, donc c'est bien 4 roues, 4 sur 6 en gros quoi. Mais c'est vrai que si les 2 pneus à l'avant pouvaient m'aider, ce serait quand même idéal, surtout dans ces conditions-là. Donc voilà, en tout cas je m'arrête ici, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!